Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve pour ce 8e épisode sur Killzone Shadowfall. On s'était arrêté devant l'entrée de ce complexe qu'il fallait que qu'on attrape Massar, je crois qu'on délivre Massar, si je dis pas de bêtises. Donc on y va de ce pas, on s'était arrêté devant la lumière blanche. Oula. Tu devrais arriver dans le conduit d'entretien 1-8. C'est le chemin le plus rapide vers les labos inférieurs. Tu me reçois 1-8? Je vous reçois 5 sur 5. Confirme que tu te diriges vers les labos inférieurs. Je sais ce que je fais. Garde tes tirs, Kellan. Contacte-moi quand tu auras localisé Massar. Pulsar terminé. C'est un petit peu pris la tête avec, avec Sinclair. Il a raison, il a tout à fait raison. Hein. Moi, je dis. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? T'as me dit d'aller là-bas? Le seul moyen d'accéder à l'ordinateur central, là, je suis dans le vide. Ok, ciao. Oh, énorme! Quoi? Ah, putain! T'es sérieux ou quoi? Je me suis pris juste le petit bout là! Ça va, ça passe! C'est le mec qui s'est pris. Allez! Et là, c'est passé normal là. Là, je me suis pris carrément la barrière, mais non, c'est passé. On va savoir. Oh putain de merde! Oh putain de merde! Wow, la vidéo elle vient de commencer il y a 2 minutes, il s'est passé une chose épique et un fail. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Ce petit atterrissage là, wow, énorme. Allez, c'est parti. Mince alors, il est où l'objectif? À 22 mètres? Ce bordel pour rentrer dans ça là. Ah d'accord, on peut rentrer, excusez moi j'avais pas capté du tout, j'avais pas du tout compris. C'est quoi ça? Ah, c'est des petites araignées, ça va. T'es sérieux? Ok, c'est bon ça. Donc il y en a encore un ici. Je vais laisser pirater comme ça, il explose de l'intérieur. Voilà, il est gris, tant mieux. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça me vise. Ou du moins ça reflète un truc rouge, j'ai pas. Alors ok, on va descendre par où? Par là probablement. Je vais me casser la gueule. Ah mec, je suis bête, j'ai la tyrolienne. J'utilise jamais, vous savez que je l'oublie ce truc, c'est juste hallucinant quoi. Oups, 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 oups. Oups, 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 vite, 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 vite. Tu peux pas mourir comme ça. tu me tiens, je suis mort. Ah non, c'est vrai, j'ai les trucs d'adrénaline. Il est où? T'es un enfoiré quoi. C'est à cause de cette caméra. Ah d'accord, lui il attend derrière la porte. C'est quoi ces trucs? Oh
Oh, mais ils sont deux fois plus durs. Oh, ils ont des armes. Eh, ça commence à se corser, hein. Petit à petit, là, ils rigolent plus. Allez, pirate-moi tout ça. D'accord, deux objectifs. Alors, ouvrir les portes de la trappe, accéder à la salle de sécurité interne, ok. Donc le facultatif c'est le E, on va essayer de le faire cette fois-ci. Pas comme tout à l'heure. D'accord. Donc le réel intérêt de Hall. C'est pour ça qu'ils sont marqués en rouge en fait, c'est peut-être parce qu'ils sont plus puissants ou... Donc faut que je les étourdisse pour annuler leur bouclier. Oh, un comic book. Oh, j'ai failli le déclencher. Ne dis rien ici. On ne sait pas qui veut nous écouter. De toute façon, ce ne sont que des rumeurs. D'accord, d'un coup, ça n'a plus rien à voir. Il y a une sorte de sniper, lui, il laisse tomber quoi. Merde, il est monté. Ah, ça va. Eh, ça t'en bouclier, ça te fait plus rien, hein. Laisse-moi récupérer des munes. C'est quoi ça? Je l'ai éclaté, ça m'a fait peur, quoi. Ça marche toujours le coup si je lui saute dessus ou pas, là? Bouclier ou pas, ça fait super mal. Alors, il y en a un là. Oh, il a vu quoi. Ah, mais il s'est fait défoncer. Ah, je te pensais pas comme ça. Ah ouais, carrément. D'accord. Ah là c'est moins rigolo de suite là. Ça commence un petit peu à devenir compliqué là. What, tu veux pas ouvrir la porte? Ah merde. Ah ça c'est con ça. Ça a rien tiré, bolos. Là ça passe. Bizarrement là ça passe. Il est où ce chacal? Je le vois plus. Il est là. C'est quoi ça? Pas que, mais j'aimerais bien des munes. Ah, mais il tire tout le temps quoi. Ah d'accord, ça le tire tout le temps. Tant qu'on le détruit pas ou que... C'est hallucinant. Là. Tiens, meurs.
C'est quoi, t'as une autre arme? C'est exactement la même. Sauf que t'as je sais pas quoi là. Ok. Ça saute ça si je... Ouais, je pense. Merde, ça l'a raté. Ok. C'est beaucoup plus chaud, hein. Alors le E c'était quoi? C'était là-bas. D'accord. Évidemment. Mourir petite araignée. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Passer par la fenêtre peut-être? Exact. Alors l'objectif est où? Il est là. Ça, impulsion, je pense que pour le coup ça va être plus utile. Du coup ça c'est bon. Le second était ici, je l'avais même pas vu. C'est pas ce quoi là? Oh putain. Ouais, tout qui s'envole là. Je sais pas qu'il va falloir qu'on saute dans ça. Si si. Hussard, ici 1-8. J'ai atteint la section de maintenance. Je passe en phase 2. Équipe d'extraction en route. Patiente. Agent 5-5. Heureusement que j'ai illuminé avant qu'il descende ce truc là. Petit truc là, non? Wow. Il me faut immédiatement deux autres sujets dans les labos inférieurs. On peut pas aller par là? Oups, 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 oups. Où sont ces sujets? Je n'aime pas qu'on m'ignore. Je continuerai à parler jusqu'à ce qu'on me réponde. Putain, je vais y foncer quoi. D'accord. Moi aussi j'ai mon bouclier, bande de chacal. Ah, vous croyez que vous êtes les seuls? Vous êtes vraiment con. Oh, épique cet endroit. J'aime trop cette arme.
C'est quoi ce truc là? Ah, je savais bien que je t'avais pas tué. Ouais, tu t'amuses à tirer comme une dinde, ça y est, maintenant je sais où tu es. Baltringos. Alors. Est-ce que vous avez pas des munitions pour mon arme par hasard, messieurs? Ça. Oh, personne n'a des munes, sérieux. Fuck that. Oh, vous savez que tout à l'heure je vois plus l'objectif, hein, je sais pas, faut trouver ma sœur, d'accord. Oh putain. Je savais que tout à l'heure fallait qu'on trouve ma sœur, mais bon. Allez, défonce-la. Quand l'adrénaline monte, ça te prend dans le ventre. Carré rouge, à l'ancienne. Oh putain, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Carré Rouge, je pense que le 3/4 ne connaissent pas Carré Rouge, c'était un groupe de rap marseillais à l'ancienne. Je chantais beaucoup avec la FF. La Funky Family. Pour toi, petit inculte qui ne connaît pas la FF, Laura Luciano, c'est obligé. C'était un minimum femme de rap français. Vous connaissez. Ça pique. Oh le bâtard. Tu t'es gavé, j'avoue, tu t'es gavé, là tu as fait un bon petit truc. Alors je vais pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Il est où lui? Oh putain. Et les fusils à pompe font super mal quoi. Oh putain. C'est quoi? 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 Il m'a fait me replier ce mec. Personne m'a fait me replier. Ok. J'ai même pas encore utilisé. J'utilise jamais. Oh là, c'est abusé, gars. Je suis pas exprès, hein. Je suis tellement dans le feu de l'action. Pour moi, c'est tellement pas commun d'utiliser un robot pour. Ok. Pourquoi pas? Avant d'aller là, mourir. J'avais envie d'aller voir là-bas. S'il y avait quelque chose.
me dirait. Donc je vais aller vers là-bas. Merde, putain. On peut pas faire machine arrière, vous avez vu ou quoi? C'est dommage ça. Pirate-moi tout ça, Owl. Ah là voilà la bitches. J'ai demandé à ne pas être dérangé. J'ai des travaux importants. Non mais elle a craqué ou quoi? Je lui mettrai coup de tête là. Je ne peux pas me concentrer quand on m'interrompt. Pulsar, ici, vite. J'ai trouvé ma sarre. Bien sûr, vite. Sécurise la cible. Des traces de l'arme. Ce n'est pas un échec. Vous arrivez trop tard. Je suis là. Vous trouverez tout en bas. Avec lui. Ça dépasse de loin ce qu'on a aperçu sur le Cassandra. J'essaie d'affiner la puissance. J'ai hâte de pouvoir la tester à une plus grande échelle. Jusqu'à présent, je n'ai utilisé que les simulations. Et mon imagination. Je vois que vous êtes sous le choc. Mais vous n'avez pas ouvert les yeux dans ces détails. C'est si élégant. C'est si beau. Ils ont dû s'adapter. Survivre en serrant les dents. Nous ne faisons qu'empêcher leur évolution. Ils n'atteindront jamais leur potentiel tant que nous existerons. Vous allez tous mourir. Chef, l'arme est opérationnelle. Elle se trouve à la surface. Bien. Une force d'intervention de l'ISA est en attente. Tu peux les accompagner. Rends-toi à la deuxième cible avec Massar. Une équipe d'extraction attend. Pulsar terminé. On y va maintenant. Ils sont revenus. Attends. Ah bah attends, putain, frère, je... dessus là, mais je comprends rien, frère. J'ai rien compris, j'ai rien capté. Je savais même pas on pouvait tirer, tu le dis même pas. Des menaces, faites avancer ce truc. T'as eu chaud, hein? Wow, wow! Oh putain, ils sont sérieux là? Il est où ton conteneur là? Ouais, tu sais, je vais prendre ça de la gueule. Eh, je croyais que j'allais savourer la vue, moi. J'ai observé le... les bails, là. Tu me casses la tête.
Alors elle, c'est le genre de scientifique qui s'en fout de quel camp il est, sauf tant que tu lui donnes le moyen de faire ses expériences sur tout et n'importe quoi. Et là, ça va, la race travaille pour tout le monde, elle crée des armes pour les algas, c'était les... Quoi ? Oh putain ! C'est ennemi ça ou c'est allié ? Normal, je me prends ça dans la tête et ça rebondit sur moi. Et là, d'un coup, je vais me réélectrocuter. Oula. D'accord. J'ai parti en bas moi. Normalus. Il devrait y avoir des commandes manuelles. Vous pourrez activer l'ouverture du sas. Tu me refais plus jamais ça, ok? Je te casse la gueule. Reçu. On est presque arrivé. Je sais que c'est un peu prématuré, mais pouvez-vous demander quand j'aurai accès à un laboratoire et à de l'équipement ? Avancez ! C'est important que je le sache pour lancer au moins mes préparations. Au pire, je peux faire des calculs de tête, échafauder des stratégies et me pencher sur de nouvelles zones d'intérêt. Vous allez nous aider à stopper ça. Non ! Non, vous vous trompez. Vous n'avez pas changé. Vous êtes les mêmes. Une race de lâches. Ok, c'est cool, merci. Ah, comme elle bouge. Mais j'aurais voulu du cul. C'est quoi ce délire? Tu veux que je te tape ou quoi? Oh lol. Avance. Avance. Paralyse-la. Ils doivent être au-dessus de ce tube de lancement. Avancez ! Vous vous attendez à ce que je fasse quoi ? Que je vous donne un remède ? Vous rêvez, Marshall. Je ne vous aiderai pas à stopper ça, pour rien au monde. Vous ne comprenez pas. Sans mes travaux, je n'ai rien. Autant mourir. D'accord, donc, dis-moi où c'est que je t'achève, tranquille, on fait ça, pépère. Au calme. J'espère que c'est pas un super humain de la mort qui tue le bordel là, qui va lui fumer, il va falloir lui mettre 200 millions de balles pour le tuer là. Parce que vu qu'elle faisait des expériences sur des Elgasts. Salut toi. T'es mignonne. Et alors? Ah merde. Si j'ouvre pas la porte. Ne tirez pas! Baissez vos armes, c'est le Marshal. En vrai, ce n'est pas moi. Evans, faites la terre. Chef, le vaisseau a été touché lors de l'arrivée. Il est hors service. Mes hommes activent un bombardier Elgast pour qu'on puisse s'échapper. S'ils attaquent à nouveau, vous aurez besoin d'une couverture. Affirmatif. On a perdu des hommes. Le reste de l'équipe est en bas pour établir une posture défensive. Evans, occupez-vous de ce bombardier. Allez. Vous avez eu peur. Vous avez perdu vos convictions. Je n'avais pas le choix. D'accord. Elle est la moitié folle en vrai. Il y a un râtelier d'armes là-bas. Prenez ce qui reste. Les Elgast ont testé notre ligne. On a pu verrouiller la plupart des sorties, sauf celle d'en face. Ils vont revenir en nombre d'un moment à l'autre. Mine laser ? Oh, c'est quoi que j'ai posé là ?
Oh, les grenades, quoi, le bordel. Alors, ici, il y a du ça, il y a du ça. C'est quoi ça? Oui! Pourquoi pas? C'est quoi ce truc? Ça les choue, moi. Waouh, c'est quoi ce truc? C'est bien ce truc, j'aime bien. Une sorte de lance-roquette. C'est un Mew. Ils sont quand même en train d'arriver là. Ça va, on arrête de rigoler, ça va. What? C'est lui. C'est qui qui tire là? C'est qui qui tire? Wesh, je comprends rien. Ah, c'est bon, tranquille. J'aimerais bien une vraie arme, s'il vous plaît. Ouh là là, ouh, c'était chaud là. Et regardez-moi tout ce qu'ils sont. Faire quoi, mec? Ils sont 800 000! Et des fois, elles sont super chaudes, quoi! C'est normal. Évidemment, j'ai pris la même arme. Lol. C'est quoi, c'est de l'adrénaline ça? Ouais, je veux bien, ouais. Oh putain! Oh, con. Mais qu'est-ce qui me tue, frère?
Dégage. T'as les mecs qui viennent dans mon dos quoi. C'est horrible. Je vous jure c'est horrible. Allez vous faire foutre bordel. Attends Voilà, c'est comme ça qu'on fait le ménage. Où es-tu lourd? Tu veux quoi toi? J'ai la haine, j'ai plus envie de lâcher la maîtresse là. Oh, 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 baissez votre arme, sergent. Nous avons des ordres. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas la rendre à Sinclair. Vous vous fourvoyez. Que se passe-t-il? Pulsar? Elle est là. Pulsar? Vous ne l'apercevez pas? Leur maladie. Baissez votre arme, sergent. Kellan, descend là tout de suite. Tout de suite, Kellan, bon sang, descends là! Sergent, arrêtez! Je te l'avais dit, elle ne pouvait pas rester en vie. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Massar est morte. Elle m'a libéré, chef. Je dois lui faire confiance. Je pensais que tu étais plus malin que ça, Kellan. Je t'avais prévenu. Tu ne vas pas tout bousiller. Notre planète est en jeu. Je sais ce que je fais. Si tu pars avec elle, je ne pourrai plus garantir ta sécurité. Tu sais ce que tu fais. Sinclair a fait un choix. Moi aussi. Nous devons trouver cette arme et la détruire. Sinon, c'en est fini. De nous tous. Un vaisseau entre dans l'atmosphère d'Elgan. On pourra progresser sans être repéré. On trouvera peut-être l'arme. Allez! Énorme les gars, énorme les oiseaux. 10 000 mètres, vitesse de 165 km/h en augmentation. Évite les traînées de météores. Leur poussière est brûlante. Tu arrives à voir le vaisseau? Il devrait être juste devant toi. Suis la traînée de vapeur. 4 000 mètres, tu as atteint la vitesse terminale. Reste à proximité. Une fois qu'on aura passé la couche de nuages, on échappera au radar. Oh
passe au travers. Je passe aussi. Je sais pas où je vais. J'y vais. Oh putain. Oh putain. Ah mais les gars, ça va trop vite. Fumée du crash. Les troupes à découvert là-haut. Dépêche-toi. J'arrive. Le noyau de la planète est instable. Le sol va commencer à sérieusement trembler. Regarde où tu marches. Le sol est instable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Waouh. Bon, franchement, grosse scène épique. Franchement, ça fait grave plaisir. Ils nous en mettent plein la vue, ces gros chacals. Et ça fait plaisir. Franchement, c'est ce que j'attendais. Nous, on va s'arrêter ici. Ça claque. On va s'arrêter ici les oiseaux. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la Noctue et sur cette intégrale sur Killzone Shadowfall. Ça commence à devenir vraiment énorme. Je vous dis à très bientôt. C'était Parano. Allez, peace.